Bienvenue au village des recruteurs, c'est la troisième édition ici à Villeurbanne au pied de l'hôtel de ville et vous le savez pendant toute une journée 50 entreprises sont là pour bien sûr vous proposer de l'emploi et nous sommes avec Anna Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du développement chez Staffmatch. Staffmatch, une entreprise qui bouge puisque le chiffre d'affaires est à plus de 1000% sur l'année 2016, c'est ça? Oui, exact. C'est pas courant ça, surtout en ce moment. Expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là. C'est pas courant. Pour vous expliquer déjà les prémices de Staffmatch peut-être. Donc on est une agence d'intérim. On se dit de nouvelle génération parce que on a dématérialisé tous les process gestion administrative. Donc du coup, entreprises comme intérimaires peuvent gérer toutes leurs missions, toutes les mises à disposition, etc., directement via une plateforme internet et une application mobile disponible sur iPhone et Android. Donc initialement, on était spécialisé sur les secteurs de l'hôtellerie, restauration et de l'événementiel, uniquement sur la région parisienne. Excusez-moi. Et donc avec cette forte croissance, on a décidé de développer l'activité. Donc aujourd'hui, on est non seulement sur l'hôtellerie, restauration et événementiel, mais on a développé également sur transport et logistique. Et grande distribution et retail. Donc voilà, ça va très vite, ça se développe, c'est impressionnant. Et oui, ça va très vite. Alors justement, au début, vous étiez parti peut-être sur des postes de serveur, réceptionniste, et aujourd'hui, vous vous généralisez. Quel type d'emploi vous proposez aujourd'hui? Alors, on est plus sur des postes opérationnels, donc sur tous les secteurs que je vous ai cités juste avant. Donc, en effet, sur l'hôtellerie-restauration, on va du serveur, réceptionniste, réceptionniste de nuit, veilleur de nuit. Chef de rang sur l'événementiel, on a des hôtes, hôtesses d'accueil, on a des chefs-hôtes, chefs-hôtesses, des coordinatrices, coordinateurs d'événements. Sur tout ce qui est transport et logistique, c'est vraiment extrêmement large. On trouve des préparateurs de commandes, des caristes, donc des postes entrants plus ou moins qualifiés. On est ouvert à tout type de propositions et c'est vrai que vu le développement, je ne peux pas vous dire spécifiquement quelque chose de très précis. Alors concernant justement les profils, vous m'avez dit tout à l'heure que votre marque de fabrique, c'est de vous intéresser au savoir-être avant tout. Hein. C'est ça la marque de fabrique de Staffmatch? Oui, exact. C'est vrai qu'on porte beaucoup, beaucoup d'attention à nos intérimaires parce qu'on part du principe aussi qu'avec une génération Y, avec l'évolution des demandes et aussi de l'emploi, on n'est plus uniquement sur une qualification savoir-faire. On prend vraiment en compte le savoir-être, la personnalité de chaque personne, de savoir où est-ce qu'on peut les positionner. Parce que c'est vrai que, par exemple, on reprend l'exemple du chef de rang. Un chef de rang ne va pas être le même sur un restaurant traditionnel que sur un gastro, que chez un traiteur événementiel. Et tel type de gamme correspond à tel type de profil. Et donc, vraiment, on essaye d'aller au plus proche des attentes et des intérimaires et des entreprises. Oui, c'est ça qui marche, c'est la bonne formule. Vos projets, justement, à l'avenir, vous en avez beaucoup, hein? Beaucoup de projets, donc on est en plein développement. Donc suite au développement sectoriel, comme je dirais, on a développé géographiquement parlant également. On a ouvert notre première agence en région sur Lyon en début d'année. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, on est ravis d'être ici. La prochaine agence est sur Lille le mois prochain. Et on compte ouvrir plus de 10 agences sur toute la France à l'horizon 2018. Staffmatch, donc c'est une entreprise qui bouge, vous l'aurez compris. Donc ici, vous êtes à Lyon. Pourquoi avoir choisi Lyon en premier? Je vous rappelle que l'entreprise est parisienne au départ. Pourquoi Lyon, justement? Alors, l'entreprise est parisienne, certes. Lyon, mais c'est vrai qu'on est un carrefour de l'emploi. C'est une région aussi qui bouge beaucoup, qui est extrêmement dynamique. Donc, on se rapprochait vraiment des valeurs lyonnaises, je dirais, des valeurs de la région Rhône-Alpes. Et en plus de ça, en termes d'emploi d'intérim et sur les secteurs qu'on était, c'est par exemple le deuxième vivier en hôtellerie-restauration, donc sur l'intérim. Et vu que c'était notre stratégique cœur aussi. Hein. C'est stratégique. Ouais. Vu que c'était notre cœur de métier initialement parlant, c'est vrai qu'on a décidé de se développer là-dessus. Et puis même sur les secteurs logistiques, etc., il y a énormément de potentiel et on pense vraiment pouvoir faire... vite le développement sur la région. Merci beaucoup Anna Guillot, vous êtes toujours d'ailleurs chargée de développement chez Staffmatch. Je vous rappelle que cette interview sera disponible sur notre page YouTube Le Village des Recruteurs. Merci. Merci à vous.